Arrête, ça suffit! Oh, je peux sortir maintenant? Non. Est-ce que je peux au moins avoir un ours? Non. Oh, est-ce qu'on nous a apporté de la nourriture? Non. Pourquoi dois-je rester dans cette boîte? Parce que c'est ta maison. Et voici la mienne. C'est fini! Je joue plus! Mais, Mélissa, où es-tu? Ah, te voilà. T'as vu Mélissa? Oh? D'où ça vient? Mais, Mélissa! Attends, et moi? Où vas-tu? Avec ma sœur! Alors... Ah, c'est ta sœur qui a été adoptée. Pas toi. Mais ne t'inquiète pas, tu seras adoptée un jour. Mélissa, je te retrouverai. Mademoiselle Mélissa, c'est l'heure d'aller à l'école. Mademoiselle Mélissa, réveillez-vous. Mademoiselle Mélissa! Oups! Raté! Tu n'es qu'une fille gâtée, mon... La prochaine fois, réveille-moi en silence! Ou mieux encore, sans aucun bruit! Et pourquoi aurais-je besoin d'aller à l'école? J'ai tout ce dont j'ai besoin! Si tu veux une carte en or, ne dors pas pendant la première leçon. Oh. Dépêche-toi, dépêche-toi! Allons-y, allons-y! Oh, j'ai tellement sommeil! On se réveille? Oh. J'aurais aimé me lever plus tôt! C'est vrai, c'est le premier jour de lycée! Yay! Et 5 ans sans sœur. Mélissa, tu me manques tellement. On se reverra, c'est certain. Je te le promets. Je dois me préparer maintenant. Très bien, je suis prête. Waouh, c'est ici que je vais me faire de nouveaux amis. Oh, dégage de mon chemin, le monstre! Qu'est-ce que c'est, notre nouvelle femme de ménage? Ça a l'air trop pauvre pour une femme de ménage. Hey, joli sac! Je suis la nouvelle élève! Tu n'es pas une étudiante, tu es une mendiante. Elle arrive. Eh bien, bonjour. Bonjour, bonjour Mélissa. Le nœud est super. Et les cheveux, c'est incroyable. Oh, arrêtez. Je suis arrivée de la même façon que je me suis réveillée. Je suis même pas maquillée. Mélissa? Mélissa, c'est toi? C'est qui? C'est moi, ta sœur, Avril. Sœur? Sœur? Une sœur? Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai. J'ai pas de sœur. Tu dois confondre. Et qu'en est-il de... ceci? Quoi? C'est du Photoshop. Je dis la vérité, tu es ma sœur. Je n'aime pas deux choses. La pauvreté et les mensonges. Tu réponds à ces deux critères. Éloignez-la de moi. Facile. C'est comme dans mon enfance. Allons-y. Allons-y. Même si c'est vrai. Tiens, oublie ça et ne pense plus jamais à moi. Ou mieux encore, va dans une autre école. Mais comment c'est possible, nous? Mélissa, tu fais quoi? Où est mon sac à main? Ah, le voilà. Qui veut s'asseoir avec moi? Moi. C'est lui qui arrive en premier. J'espère qu'on a un accord. L'argent nous a déjà séparés une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. J'étais là en premier. Non, c'était moi le premier. Va-t'en. Ok, arrête. Je peux m'asseoir ici? Non, c'est sur rendez-vous.
Hein? Il y a une file d'attente, en fait, là, tu vois? Ah, je pensais qu'on se comprenait. Où puis-je m'asseoir? Eh bien, on peut te montrer. Alors, est-ce que tu es à l'aise? Très confortable. Plus tu es grand, plus tu es riche. Quoi? Mais moi aussi. Elle doit plaisanter. Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Par là. C'est mieux. Je dois toujours être à la mode. Je veux aussi être à la mode. Moi aussi! Ah, Mélissa, Sally, regarde, on est assises l'une à côté de l'autre. Ah. Je dois être en bas, je suis pauvre. Ouais, t'as bien compris. C'est encore mieux. Être pauvre, c'est confortable et plus sûr. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle tendance. Ouais. Ouais, ouais. Descendez. Les élèves doivent s'asseoir à leur bureau. Au moins plus près du sol. Non. Non. On veut pas. Eh bien, je devrais peut-être vous donner un F. Ou bien je vais chercher le principal et on le fera ensemble. Et si on redescendait? Oh, 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 appelez l'équipe de secours, j'ai peur. Je suis stressée. On doit s'amuser tout de suite. Allez. Et la leçon? Tu peux y aller. C'est comme ça que ma sœur est. Sœur? Qui vient à ma fête? Moi, je veux. Tout le monde est invité. Ouais, moi. Waouh! On fait une fête? Je fais une fête et je ne t'ai pas invité. Pourquoi pas? Tu t'es vu? Tu me mets dans l'embarras. Quand tu seras plus riche, reviens. Et toi? Moi? Oui, toi. Viens à la fête. Ouais! Même elle? J'ai économisé pour l'université, mais ma sœur est plus importante. Aujourd'hui, je vais être la nouvelle Avril. Oh, plus silencieux. Ne bois pas autant. Ne t'assieds pas ici. Ne danse pas si activement. Restez debout et amusez-vous. Hé, tout le monde! Wow. Avril? Toi? Est-ce que je ne te mets plus dans l'embarras? Oh, vous avez vu comme elle est jolie? Pourquoi vous vous amusez pas? Wouhou! Allez! Wouhou! On s'amusait bien jusqu'à ce que tu arrives. Oui? Oui. Mets la musique à fond! Tout le monde danse! Wouhou! Arrêtez! Vous pouvez pas faire ça! Je vous interdis de danser! Bataille d'oreillers! Wouhou! Pas de bagarre! Oh! N'oublie pas de mettre un bloc! Soit vous agissez selon les règles, soit vous partez. Alors, venez à ma fête. Si tu veux, tu peux venir aussi. Il n'y aura pas de règles. Et je serai pas là non plus. Si je pars dans 5 minutes, ce sera pas grave. Est-ce que la fête est vraiment là? Regardez qui est là! Bonjour à tous! On l'envoie dans le château de la reine? Ouais! C'est très gentil, je vous remercie. C'est quoi cette boîte? Assieds-toi, t'es sur le point de découvrir. C'est une blague, n'est-ce pas? Non, c'est ta maison. Et ceci? C'est la nôtre! Je peux avoir un dessert? Non! Oh, alors, j'ai plus rien à faire!
Je crois qu'un tremblement de terre s'est déclenché. Oh, oh, je suis désolée. T'es ma sœur. Oui, t'es ma sœur. J'entends rien. Tu es ma sœur. Quoi? Quoi? C'est vrai? Avril et Mélissa sont sœurs? Range la boîte. Tu vois, être ma sœur n'est pas si mal. Ne pas avoir de sœur, c'est mal. Faisons la fête! Wouhou! Yeah! Maintenant, je veux être sexy. Oh, ok, ok. Oh, arrête! Tu vas ruiner mes cheveux! Oh, désolé. Après tout ce stress, je veux des sucreries. Oh, oui. Quoi? Où est mon argent? Pas d'argent, pas de gâteau. Attendez! Je reviens tout de suite. As-tu vu ce qui se passe à la bourse depuis ce matin? Maman, c'est un désastre! Les indicateurs sont en train de chuter, on doit agir. Maman, maman! Dès que les prix baissent, achetez toutes les actions. Oui, oui, oui. Oh, je te rappelle. Tiens! Mélissa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de travailler, là. Maman, c'est grave, je n'ai plus d'argent! Oh. Oh, horrible! Oui, j'ai plus d'argent dans mes mains depuis 2 minutes entières! J'aurais aimé que tu passes ce temps à étudier. Quoi? Je suis l'enfant la plus riche du monde! Pourquoi étudier? Donne-moi juste de l'argent! Non, pas tant que tu n'auras pas amélioré tes notes. Tu n'auras pas d'argent. Ouais. Ok, alors. Si tu ne me donnes pas d'argent... Alors, je vais le prendre moi-même. Non, tu dois étudier. Pourquoi? Pour être riche comme moi. Mais c'est toi qui dois travailler et me donner de l'argent. Comment oses-tu? Maman? 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 Oh, maman, réveille-toi! J'ai besoin d'argent! Oh, oh! Si maman ne se réveille pas, je serai une mendiante! Je dois faire quelque chose immédiatement! Ah! Son parfum préféré! Ça devrait faire l'affaire! Je vais devoir penser à autre chose. Ah! Eh bien, si tu ne veux pas le faire de la manière douce, tu vas devoir le faire de la manière forte. Tu n'as jamais aimé ma musique. Je ne sais pas qu'on en arriverait là. J'ai juste besoin de l'argent. Rien de personnel. Maman! Réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? C'est sous contrôle. Je suis en train de réveiller ma mère. Votre maman est dans le coma! Est-ce que... je suis pauvre? Oh. Ah, j'avais presque oublié. Ceci était dans ses mains. Je suis de nouveau riche! Oh. Maman, merci! Eh bien, je te vois plus tard! Maintenant, je peux acheter tout ce que je veux. Que penses-tu d'une voiture de sport? Ou un vol pour les Maldives? Oh, j'ai faim.
Mademoiselle Mélissa, bonjour. Comme d'habitude pour vous. Maman, je peux avoir un hamburger? Bien sûr que non, chérie. Tu dois bien manger pour être aussi belle que ta maman. Ok. Profite de ton repas. Oh! Non! Je décide de ce que je veux manger maintenant. Je veux des hamburgers! Oh, il y a un problème? C'est ce dont j'ai besoin. Je me suis préparée à ça toute ma vie. Intéressant. Qui est mon adversaire? Hé! Hey, t'as encore le temps de changer d'avis et d'aller finir ton milkshake? Hé, hey Barbie, tu t'es trompée de porte? C'est pas un concours de beauté ici, t'as rien à faire ici. On verra bien. On verra bien. Mélissa à la riche contre John! Et ce soir, nous allons découvrir qui sera le gagnant du concours de mangeurs de hamburgers! Et c'est parti! John! Les fans de John sont très actifs ce soir parce qu'ils savent qu'ils peuvent manger aussi! John! Je ne vais pas laisser passer ça! Allez, John! Allez! Quelle bataille! Écoute, c'est pas juste! Juste une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas être soudoyé. Très bien, c'est bon, je suis avec vous. Et voici notre gagnante, Mélissa la Riche! Voici pour toi! Félicitations! Ne sois pas triste, tu auras peut-être de la chance dans un concours de beauté. Je me sens pas très bien. Eh bien, le trophée revient à notre irremplaçable champion John. Tu m'avais manqué. Ma mère m'a dit de manger des aliments sains pour une raison. Je ne sais même pas où dépenser l'argent de ma carte gold. Pense que je vais acheter un yacht ou une voiture de sport. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ah ouais. Ah, j'ai pas vraiment terminé. Hé! Hey! Est-ce que c'est vrai? Hé! Hey! Qu'est-ce que vous faites tous debout, là? Waouh, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses? Waouh! Je peux avoir un selfie. Ok, vas-y. Laissez-moi passer! Mélissa, t'as tout gâché! Quoi? Je suis la fille la plus cool de cette école. En fait, non, maintenant c'est Alice qui est la plus cool, n'est-ce pas? Ouais! Yeah! Mélissa, en fait, tu n'es plus très tendance. Chut, cache le tatouage! Voilà le directeur! Ouais. Je suis plus tendance? Hein? On va voir ça! Wow! Que veux-tu? Je veux le tatouage le plus cool du monde! Bébé, ta mère te laisse te faire tatouer? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Ok. Choisis. Je suis pas intéressée. Maman, je veux un tatouage. Juste une seconde. Ce dessin? Oui, celui-là. Je vais finir la conversation et on va le dessiner. Je vous écoute. Maintenant, on doit acheter une participation majoritaire. Non, maman, je veux un vrai tatouage. Quoi? Je te rappelle. Un tatouage. Hein? Non, Mélissa, pas de tatouage. Allez, maman! Oh, pourquoi? C'est ce que je veux. Tu es courageuse.
Ah! Ça fait mal! Oh, je vois. Reviens quand tu seras assez grande pour te faire tatouer. Pas question! Dessine! Je le ferai pas. C'est tout. Voilà, et celui-là. Ok. Je travaillerai plus jamais avec des adolescents pour de l'argent. Combien de temps encore? Presque fini. Dépêche-toi. C'est fait. Enfin. Tiens. C'est pour toi aussi. Bye. Eh bien, cependant, les adolescents riches ne sont pas si mal. Mademoiselle Mélissa, asseyez-vous. Mélissa, dépêche-toi. Maman, quelle est l'urgence? C'est le week-end. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Tu vas le découvrir, ferme les yeux. Allons-y. Fais attention aux marches. Prête? Ouvre. Surprise! Waouh! Maman, merci. Je savais que tu allais aimer. Waouh, elle est tellement cool! Oh. J'ai déjà hâte de te conduire. Mélissa, où vas-tu là? Qu'est-ce qui va pas? Tu pensais vraiment que t'allais conduire? C'est au conducteur de faire ça. Et tu vas monter à l'arrière. Vraiment? On peut y aller? Mademoiselle Mélissa, nous n'irons nulle part tant que vous n'aurez pas bouclé votre ceinture. Mettez Billie Eilish! Je suis désolée, mais votre mère vous a interdit d'écouter ce genre de musique. Oh, je déteste les surprises! Oh. Donnez-moi les clés! Non. Oh, waouh! Voilà. Je n'ai plus besoin de vous. Maintenant, il y aura la conductrice la plus cool dans les rues de la ville. Personne ne m'interdira plus jamais d'écouter ce que j'aime. Je vais demander une prime pour ce mois-ci. Vous avez couru après moi pendant tout le trajet? Ok, puisque vous êtes là, garez-vous. Ah, non. Il est temps d'arrêter. Oh, c'est pas cool, ça. La nouvelle Mélissa a besoin d'un nouveau look. Ce n'est pas ce que je veux, c'est trop... trop mignon. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Mais maman! C'est pour toi. Mais ce n'est pas tout. C'est joli, non? Essaye-la. Non, maman, j'aime pas. Mélissa, tant que je paye pour ton divertissement, tu porteras ce que je choisis. Maintenant, je décide de ce que je vais porter. Et cette robe manque de couleur. J'ai un plan B. Je vais finir ce truc de toute façon. Comment est-ce possible? J'ai besoin de l'aide d'un pro. Choisis la dernière tendance de cette saison. C'est ce qu'il me faut.
Ah, et tu as bon goût. C'est parfait. Tu peux y aller maintenant. Le nouveau look a besoin de toute urgence de nouvelles photos. Maman, je veux lui ressembler. Bien sûr, chérie. Merci. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est bon. C'est bon? C'est fait. Oh! Maman! Tu es très belle. Mais je voulais ressembler à Billie Eilish! Maman sait mieux que quiconque à qui tu dois ressembler. Mais c'est pas juste! Eh bien maintenant, ça va être juste! Je veux ressembler à Billie Eilish. T'es sûre? Ton look te va si bien. Je sais ce qui me va le mieux. Eh bien, si c'est ce que tu veux. Alors? Waouh! Maintenant, je suis de nouveau tendance. Waouh! Mélissa a tellement changé. Ouais, elle est vraiment la plus cool maintenant. Waouh! Elle est tellement cool, Mélissa. Hé, hey, tu n'as pas oublié que je suis ta petite amie, quand même. Oui, 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 mon amour, bien sûr, bien sûr. Oh, excusez-moi, Mélissa. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui vous déplaît. Ton apparence n'est pas acceptable. Oh. Prenez ça et calmez-vous. Quoi? Vous êtes renvoyé. C'est la meilleure chose que j'ai entendue aujourd'hui. Maintenant, j'ai beaucoup de temps pour mon blog personnel. Les gars, bonjour tout le monde. Devinez qui est la fille la plus chanceuse et la plus riche? Moi, bien sûr. Je suis la plus riche. Je suis la plus chanceuse. Qu'est-ce que je disais? Ah, plus d'école à partir de maintenant. Ouais, ouais. Oh, oh, oh. J'ai failli te faire tomber. Mais maintenant, il ne me reste plus qu'à m'amuser. Parce que j'ai une carte en or. D'abord, je vais acheter un avion. Et ensuite, je vais acheter mon île. Et moi, je pourrais m'acheter un burger bien chaud. Non. Une centaine de burgers. Oh non, un million de burgers. Oh oui. Ben voilà. Viens par ici. Abonné, à votre avis, quel type d'avion me conviendrait le mieux? Bleu ou rose? Qui es-tu? Moi? Et toi, qui es-tu? Attends! Bonjour tout le monde! Maintenant, je suis la fille la plus riche et la plus chanceuse du monde! Appelle-moi au moins un taxi pour que je puisse rentrer chez moi! Je suis censée faire quoi? Marcher? Ok. Je vais marcher. En fait, le sport est tendance en ce moment. Oh, tout ce que je veux maintenant, c'est un bain moussant avec un chocolat chaud. Attends, attends. Ici, c'est une propriété privée. Vraiment? En fait, j'en suis consciente. C'est mon territoire. Recule. Ceci est la maison de Mélissa et Candace. Eh bien, Mélissa, c'est moi. Je suis Mélissa. Je suis Mélissa! Nous allons vérifier ça. Oh. Tu n'es pas Mélissa.
Quoi? En fait, c'est ma maison. Tout ce qui est ici est à moi et tu es au chômage maintenant. Oh. Laisse-moi entrer maintenant! Non, tu ne passeras pas. Tu vas le regretter. J'ai rien d'autre. Pas d'argent. Pas de maison. Chérie, tout va bien se passer. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi qui t'es assise avec moi, j'ai pensé que je devais te soutenir. J'ai besoin du soutien de ma mère, pas de toi. Elle m'a même appelé maman, dis donc. Maman, je suis désolée. Je me sens si mal sans toi. S'il te plaît, réveille-toi. Je te promets de toujours t'écouter. Ouvre simplement les yeux. Maman, tu es réveillée? Ah! Mélissa, mais qu'est-ce qui va pas avec toi là? Ces jours sans toi ont été très durs. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est du marqueur. Ça va bientôt s'effacer. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement aussi, chérie. Mais cette horreur doit être arrangée tout de suite. Ma carte était ici quelque part. Mélissa, où est ma carte gold? Oups.